Est-il moins humiliant d'être un peintre du dimanche ou un génie de la bande dessinée? Les libraires lisent-ils des livres avec des images? L'albendazole est-il efficace contre le système de distribution? Doit-on laisser une page libre dans les albums pour que les éditeurs puissent exprimer leur créativité? Les grands sujets en bande dessinée élèvent-ils les bandes dessinées ou abaissent-ils les grands sujets? Si le texte d'une bulle est trop long, le personnage va-t-il dépasser sa destination ou bien s'arrêter de courir le temps qu'on ait fini de lire? Autant de questions passionnantes auxquelles un solide accompagnement pédagogique à travers la mécanique complexe des bandes dessinées peut apporter un éclairage. C'est l'objectif que s'est fixé ce nouvel opus de notre désormais célèbre collection, Manuel de l'utilisateur, destiné à révéler en vous la brillante créature mondaine dont chacun se disputera la compagnie.